Salut, salut! Je vous laisse le temps de vous connecter, les pitchounettes, les pitounes, les poulettes, vous autres. j'oserai pas trop longtemps, je vais juste prendre le temps qu'il y ait des gens. On dirait que c'est sombre ou c'est moi qui capote. Ah, peut-être parce que je vois les notifications. Ça semble être correct. Dites-moi coucou quand vous vous connectez. Bonne nouvelle, je vais faire tirer mes cases parce que... C'est ça. Allô, Amélie! Allô, Lise! Ouais. J'ai décidé... salut, Chantal! J'ai décidé de faire tirer mes cases parce qu'il y en reste 5 à avoir. Fait que ça fait 20 cases x 6. Ça fait 2 crédits de 60$. Puis, je resserrerai un autre concours un peu plus tard. Comme ça, je trouve que ça fait trop longtemps qu'il est là. Voilà. Salut, Nicole! Donc, j'ai pris mon iPad. Oh boy, j'ai beaucoup trop de messages, hein? Ne tenez pas compte de tous les messages à mademoiselle. Non, je fais des blagues. Donc, voilà, sur Facebook, mon tirage. Donc, il me reste 6. Hey, c'est pas grave, 2 fois 60, ça va être moins compliqué. Si je pogne un numéro qui est pas pris, qui est pris, ben on va le faire. Je vais juste me prendre en note. Je ne sais point où. Là. Désolée pour le zoo en arrière qui fait du bruit. Ça fait partie de moi. Ah, vous me connaissez. Non, pas ça. Je cherche un papier. Bon, voilà. Numéro 1 et numéro 2. Je vais écrire c'est qui va gagner. Ça vous plaît-tu? Salut Julie, ça fait longtemps que je t'ai vue. Salut Marie-Claude. Hey, ça me fait du bien de vous voir, les filles. Bon, alors voilà, les numéros 1 à 25, on va aller voir après c'est qui. Je vais utiliser ma petite roue. Voyez-vous, pareil, c'est-tu trop loin? Je pense que non. Je pense qu'on est correct. Et c'est parti, numéro... Je pense que vous voyez. Bon, ouais. Ouais. Salut, Vicky! Le numéro... 12! 12, t'as tout le monde qui m'écrive. Alors, Seigneur, j'avais une petite voix aiguë. Numéro 12, c'est qui? Personne. Alors, on recommence. Hey, slack un tour, les messages Facebook. Je recommence. Là, voyez-vous une petite tannante, c'est Topaz. Salut Amélie, salut Julie, salut tout le monde. J'essaie de vous avoir dit salut. Numéro 9. Alors, qui est-ce qui est numéro 9? Hey, tout le monde m'écrit. C'est ça, hein, dans la vie. D'habitude, vous ne voyez pas toutes les pop-up. Numéro 9, Brigitte Fournier. Alors, Brigitte, tu as un 60$ et un autre 60$ à faire tirer. C'est parti, mon kiki. Qui est-ce? Salut, Joanne. Les filles, si je ne vous ai pas dit salut, je m'en excuse. Hein? C'est juste que je n'ai pas vu votre nom. Numéro 19, est-ce que numéro 19, il y a quelqu'un? Hein, c'est long, mon taponnage. Brigitte Fournier, 2 fois, pour vrai? Ben oui, hein? Numéro 9 et numéro 19, Brigitte Fournier. Hey, Brigitte, la chanceuse, tu as 120$ à magasiner, toi, chose, dans ma boutique. Es-tu pas chanceuse, cette poulette-là? Bon, on va lui dire. Désolée pour les autres. Malheureusement, elle a tout gagné. La bonne Yenne. Mais bon, je l'ai noté 2 fois, Brigitte Fournier. Oui, c'est Topaz, mais là, elle est repartie. Écoutez, hein, il y a Cassiope et Topaz. Mais attendez. Petite Topaz. Ouais. Elle a pas trouvé de famille encore, hein? Bidjunette. Attendez, je vais essayer de la mettre sur le dos, mais des fois, ils sont grippettes, ces poulettes. T'as pas vu, Gertrude? Gardez-les à la face. Voilà, oui, vraiment chanceuse, Brigitte, pour une fois que c'est pas Lise. Donc, voilà. Vous pouvez m'écrire là pendant que je vous fais choisir ce qu'on va faire ce soir, ce que vous aimeriez. Mais vaut mieux des cases à 2$, mais vaut mieux autre chose, mais vaut mieux des kits. Qu'est-ce que vous aimez mieux dans le fond pour faire tirer. Là, celui-là était plus long, les cases étaient plus chères, fait que j'ai comme l'impression que vous avez moins aimé ça. Fait que dites-moi des commentaires, des exemples. Je me suis fait dire aussi que les gens s'ennuyaient de mes kits. Il m'en reste quelques-uns à vendre, mais je vais essayer d'en faire d'autres cette semaine. Oh! Ah, m'énerve, mon chien! C'est ça, maintenant, avec mon zoo astronomique. Donc, voilà. J'ai reçu Fabrica.
Je vais vous en parler un peu avant de choisir le papier. Fabrica font maintenant des gros, gros pots. Fait que j'ai reçu... Bon, faudrait bien que je vous en montre un qui s'ouvre pas. Je veux un kit. Ouais, mais un kit de quoi, Vicky? Je n'ai pas fait encore. Ah, t'aimerais ça, des tirages de kits. Donc, c'est quand même des gros pots qui sont... Ça a de l'allure. C'est sûr que c'est un petit peu plus lourd au niveau du shipping, là. Des kits 2$, d'accord. Ça sent bon. On dirait que ça sent le primer. C'est le gesso blanc, mais on dirait que ça sent de la peinture comme quand tu peintures ta maison. Fait que maintenant, ils font des gros pots. J'ai reçu ça. J'ai reçu des fleurs. J'ai reçu quoi? J'ai reçu les nouvelles collections, mais il y en a d'autres aussi en route. By the way, je vais faire une commande bientôt. J'attends deux lambineuses, dont Vicky et Madame Audrey, celle qui m'écoute. donc, vous aimez mieux les kits que des crédits magasin, d'accord, je comprends. Donc, il y a cette collection-là, la vente journée de Provence. Il y avait une collection qui ressemblait vraiment beaucoup à la vente. Fait que je l'ai pris, mais en tout cas, bref... C'est peut-être pas ma préférée. Oups, ils sont pas en ordre. Il y a Noël, la collection de Noël. Je suis pas sûre qu'on va faire une page de Noël, mais bon. Automne, je les ai pas mis en ordre. Cette collection d'automne, il y a des petits porc-épic, écureuils et tout ça. Cette collection, j'ai rien mis en ordre, finalement. Je trouve qu'elle ressemble à un autre qui était déjà et une collection d'hiver de Noël. Ben honnêtement, là, c'est sûr que je fais pas Noël, fait que j'ai disqualifié parce que je vous dirais que j'ai un blog up bientôt. Ça veut dire blog up, c'est un truc sur ma chaîne YouTube qui va être sur Noël, fait que ça va être déjà bien en masse pour moi. Parce que moi, I don't like Noël, I'm so Grinch, vous savez, fait que c'est ça. Soit que je prends des nouveautés comme ça, ou soit que je prends mes nouveautés, ça c'est pas des nouveautés, lime citron que j'ai acheté follement dernièrement. Fait que c'est sûr que je vais peut-être essayer de mixer. Ça c'est un dye. Celle-là, je sais même pas si elle a sorti encore. Je sais pas si je devrais vous les montrer. Automne, mamzelle. Ça c'était, on avait un week-end Harry Potter, hein, fait que je pense pas qu'elle les sorte. J'ai acheté full badge. Jannick, elle devait bien rire de moi qui achète des badges qui en met jamais. Je me suis amusée. Hein. Fait que ça, c'est mes nouveautés. Les mets de citron. Les papillons avec les dailles. Des petites feuilles. Ça se peut que je prenne des nouveautés. Ça se peut que non. On verra. Voici. Après ça, j'ai eu une coupe de chipboard. J'en ai mis, by the way, sur ma boutique. J'ai ceux-là là-dessus. Puis, j'ai d'autres aussi. J'ai vraiment abusé des chipboards dernièrement. Polaroid, oui, ils sont beaux, hein? Fait que voilà. Puis, j'ai toutes les die-cuts de Fabrica que j'avais. Ça, non, je l'avais. Voilà. Fait que on va s'amuser là-dedans. Je pense que je vais prendre mes papiers d'automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai encore des champs en accouplement. Fait que celle-là qu'on aimerait. Fait que ça fait du bruit. Bon, j'ai accroché ma caméra. Ah oui, les nouvelles automnes. Mais j'ai pas tout de lumistron. Fait que je me suis dit que je vais avoir la boîte du crop en ligne. Ben, du crop de Noël. Puis. Après ça, ben je recommande quand même assez souvent là-bas. Fait que c'est ça. J'ai abusé. Salut Patrick, je sais pas si tu vas écouter mon live, c'est un live de bricot. Patrick étant soit Patrick ou Nathalie, ceux qui me vendent mon petit bébé chien qui s'en vient au mois de novembre. Sont les papas de Choupi, qui était le premier chum de Petite Vache. Donc c'est ça. Puis Choupi est le père du deuxième chum de Petite Vache. Fait que finalement, salut Patrick ou Nathalie qui regarde. Bref, c'est ça. Fait que celles qui m'ont vu un peu passer dans mon Facebook, je suis désolée, j'ai été absente. J'ai beaucoup de nouveaux chats, nouveaux chiens, nouveaux tout. J'étais en arrêt de travail qui devrait recommencer bientôt. Fait que ça fait en sorte que j'étais moins disponible. Mais c'est pas parce que je vous aime pas, j'avais juste besoin de prendre du temps pour moi. D'accord?
J'espère que vous me pardonnez. Puis en fait, j'ai été pas très créative. Bon, alors, collection d'automne, je vais la commencer. Cette page-là, au lieu de jaser, qu'est-ce que vous en pensez? Oh boy, j'ai-tu vraiment dit que je prenais ça, madame? Il n'y en a pas aucun que je prendrais comme... Oh, peut-être ça, comme fond de page. Oh my goodness, que c'est coloré, ça, on dirait qu'on... Hein? Oh boy! Qui m'a dit ça, automne? C'est Miss Brun, hein? Hey, sérieux, j'ai mal au cœur. Mais je peux pas faire une page avec ça! C'est ça, hein? Je savais que c'était Miss Brun. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces couleurs-là, Julie? Julie Pelletier, je pense que ton message d'aujourd'hui t'a dérinché le cerveau. Moi non plus, j'aime pas. En tout cas, bon. Bon, OK. Je le sais, c'est le défi. Salut, Louise. Le défi... Oh, ouais, je vais faire quelque chose pareil. Ah, hey, sérieux, le chien. Attends un peu, je vais essayer de t'entendre. Hey, t'entends? Hey, hein, peux-tu t'en occuper pendant que je live? Elle ferme pas sa boîte. Mon chum, là, il a les écouteurs, ses oreilles, toutes choses. Puis là, ben ouais. Ah, oh, je te dis, hein. C'est les beautés du live. C'est sûr que je prends ça, puis je suis vraiment en feu. J'ai pas pris de café, by the way, mais ça va être ça, mon fond. Hey, là, hein. Checkez-moi bien aller. Ça va être magnifique. Magnifique. Ah, on dirait que je t'ai préparé. Non, mais... je dis ça, là. Soit ça, soit celle-là. Mais celle-là fait un petit peu plus cet été. Hein? Ça sera pas merveilleux. Ou un petit nez de... Bon, hey, ça a même pas pris 10 secondes, j'ai choisi ma photo. Je sais vraiment pas. Les filles, ça va faire des merveilles, d'accord? Je suis sûre que ça va faire des merveilles. Ouais. Comment faire une page avec des papiers qu'on n'aime pas? Vous pouvez tout quitter. Vous êtes toutes sur le bord de dire « Chaque mon camp, t'as-tu vu ça, toi, chose? » Le défi qu'elle s'est donné à soir. Mais bon, hey, ça a marché. Je canne mon chum pour les chiens. Ils ont arrêté. Cassiopeia est vraiment calme. Mademoiselle... C'est rare, hein, d'habitude, elle vient faire sa grippette, elle n'est pas venue. Bon, je vous trouve. Chercher les die-cuts. Ben, écoute, j'ai pas ça. Il n'y a pas de die-cut avec celle-là, je ne les ai pas achetées. Salut, Denise! Denise, tu me diras si tu as reçu ton colis. Fait que c'est sûr que je découpe des petits feuillages là-dedans. Oh! Hey, sérieux, c'est tellement pas mes couleurs, là. Je suis comme en train de... Je capote comment... Je suis pas... Hey, sérieux? Tu sais, c'est comme quand ils te donnent des papiers, là. T'es obligé. Ouais, mais voulez-vous que je change de papier? Ouais, moi, j'ai du gros fun parce que ça va être lettre. Mais bon... Ben oui, une chance, ça fait longtemps que je m'avais pas vu. Parce que t'as-tu vu ça, toi, chose? Si vous êtes pas content, on va tout chicaner, mademoiselle Julie. OK? C'est bon, ça? On chicane Julie, puis qu'on te dit... Non, mais tu parles d'une idée d'avoir proposé ça. Lavande. Non. On reste avec ces maudits papiers-là. Hey, la photo est choisie, tout un kit. Mais le chien, même le chien, d'accord. Celle-là ou celle-là, les filles? Pas le cheval. Quelle qu'on aime mieux. Je pense que j'aime mieux celle-là parce qu'il y a du orange. OK, super. Oui, nous avons le soleil. Le soleil! OK, bon. Dans les écoudons, hein, là, c'est-tu...
La chute. C'est la chute qui a gagné. Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu se faire masser, puis je pense que j'ai massé trop le cerveau pour qu'elle me fasse choisir ça. Bon, mettons qu'on va couper le hibou, puis on va couper les... Mais il y en a qui aiment ça, là, des affaires de même, là, OK? Fait que je suis désolée pour celles qui aiment vraiment ça. Ça, les hiboux, pouf! Voilà. Puis là, ça, on peut couper aussi. Ça va être beau, là, les filles. Je suis sûre, sûre, sûre. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Ni un ni l'autre. Oh, ma gang de, ma gang de. Si c'est beau, là, j'en veux pas une me dire « Tu m'en donnes-tu? » On l'a mis aux poubelles, mais on avait tout dit que ça allait être laid. Wow, mon chat, il capote, hein? Pas du cœur d'amour. J'aime pas ça que ça soit bleu. Hey, c'est magnifique, ces couleurs-là, là. Oh, wow, wow, wow. Aimez-vous ça? Aimez-vous ça? Le magnifique dégradé que je suis en train de créer. Hey, mon chien, là, je vous la donne pour vraiment pas cher. Et mon chat aussi. Finalement, je donne tout, c'est tout. Mon chat aussi. Et non, c'est pas vrai. Pas du cœur. Savez-vous quoi? C'est la fête à mon chum aujourd'hui. Il a 40 ans, ma vieille croûte. Avec Oreo. Oh my God. Jeudi cette semaine. Hey, prends ton rendez-vous parce que ça arrête pas de booker les massages. Hein. Faut vous me le dites d'avance. Je suis dans le jus. Oh merde, j'ai tassé, puis garde ses croches. Ah oui, toi, t'as le droit. Ah, c'est dans ma palette, super. C'est des couleurs que t'aimes. Bon, je suis désolée pour les filles que c'est des couleurs qu'ils aiment, qu'elles aiment. Oh non. Mon chat est en train de s'étouffer. Avec l'énervement, j'ai collé ça tout croche. Hein? Donc, on va tricher avec celle-là. Pas stampir. On met-tu le hibou? Non, je vais juste pas les jeter. Bon, ben, juste de même, ma page est finie. Bonne fête, Fred! Merci beaucoup! Il fait dire merci. Il fait dire qu'il est tanné de m'entendre aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Hey, pauvre petit cœur, il a décidé qu'il mangeait. Là, je vous compte ma vie, là, mais c'est correct, c'est à ça que ça sert les lives. Il a décidé qu'il voulait manger du Saint-Hubert pour sa fête, puis nous restons à Sainte-Brigitte-de-Laval. Fait qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, il n'y a pas de Saint-Hubert qui livre. Fait qu'il a dit, bon, je vais aller le chercher. Mais là, monsieur n'a pas pensé que tout le monde l'appelait. Fait que. C'est ça. Il est tombé comme en retard. Hey, by the way, j'ai acheté plein de stencils. Ouais, il est arrivé en retard. Fait que là, moi, j'avais un massage à 7h. Fait que j'ai mangé en 2 temps 3 mouvements mon Saint-Hubert. Puis, lui aussi. Puis, il y avait un party comme avec sa famille Messenger. Fait que pour Tilou, il a mangé ça right through. Hein? Ouais, là, il fait dire ouais, ouais. Oui. 15-20 minutes, on a fêté sa fête, puis j'ai eu un client. Un client. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'imagine, pauvre petit cœur, belle fête, sa blonde qui fait un live, sa blonde qui a plein de massages. Hein? Pas facile! Je pense que... celle-là... Ces trois-là, ils sont beaux. Fait que ça se peut que je m'amuse avec ça. Puis,
Là, je cherche ma pâte à texturer. Je vais prendre une grosse pâte à texturer. J'ai acheté à la compagnie. En fait, non. J'ai pas acheté la compagnie. J'ai été d'été pour eux. Puis, quand je commande, mais je me commande des affaires. Mais en fait, il faudrait que j'arrête de commander. Money, parce que on finit plus. Ouais, ça va être ça. Fait que je vais commencer par celle-là, cette étape-là. De stencil. Là, êtes-vous pressé? Je suis pas vite, là, je suis rouillée, hein? Mon chum, il est pressé parce qu'il y a un massage après. Sinon, hein? Ben non. Inquiétez-vous pas, j'ai le temps. J'ai le temps en masse parce que, by the way, j'ai un examen demain. Fait qu'il faut que je pratique sur mon chum. Puis lui, il est bien content que je pratique avant mon examen, surtout la journée de sa fête. Fait que si c'est pas merveilleux. Fait que là, j'ai pris la texture paste. Je pense qu'elle est un peu plus épaisse que la elle que je prends d'habitude. Mais je vais aller voir c'est laquelle que je prends d'habitude. Check bien sûr, j'ai ouvert un pot pour ça même affaire. Ça se pourrait, hein? Parce que, tu sais, celles qui disent que j'achète la compagnie, il y en a partout dans ma maison. Ah, c'est bon ça. Mais il y en a qui étaient fatigués, mais c'est ça qui est 8h30, mais allô, hein? Wow! Regardez ça, comment c'est beau, toi, ça! Ben oui, toi, j'ai ouvert à nouveau. C'est la même affaire. Je pensais qu'elle était plus opaque. C'est mon rat qui a marché sur l'écran. C'est bon. Fait que. Oh, ben, gars, tu vois, j'ai bien fait d'ouvrir un pot. Tu vois, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai fait un live. Là, ce que je vais faire, là. Je pense qu'elle marche plus, cette bouteille-là. Puis celle-là, mes chats ont l'air de l'avoir bouffée. Vous voyez pas, là, mais je vais mettre un peu d'eau. Pour. C'est ça. Retravailler le tout. Oui, il est vraiment beau. Les stencils de Fabrica, moi, je les aime bien, mais je trouve pas que sur le site, ils sont mis en valeur pour qu'on les voit, qu'on les achète. Fait que... Ah, oups, le fil est débranché. Ça m'étonne qu'il y ait un chat qui aille jouer avec ça. Voyons. Oh, ma prise est brisée parce qu'ils ont trop joué après. Oh, ben non! Oui, nous avons le soleil. Pensez-vous que je vais chanter des tunes plates jusqu'à la fin de la journée? Bon, voilà. Je voulais comme qu'il soit en fond. Trouvez-vous que ça marche? Puis on va aller mettre les autres sur le côté. Bon, fait que ça... J'ai pas mes ciseaux, je les ai transférés. Vous autres, avez-vous passé un... Là, on est mardi. Ça me dit, mais là... Avez-vous passé un beau week-end? Êtes-vous écœuré d'être chez vous? Comment ça se passe? Racontez-moi donc ça un peu, là. On va prendre ma petite colle. Le soleil. Brigitte, tu viens d'arriver. Brigitte, tu sais pas quoi. Brigitte, essaye de deviner ce qui s'est passé durant ton absence. Y a-t-il quelqu'un qui est venu me stouler? Brigitte, j'ai parlé dans ton dos. Essaye de deviner pourquoi j'ai parlé dans ton dos, Madame Fournier. On essaie-tu qu'elle devine? Bon, je suis en train de mettre de la colle parce que mon fusil à colle, il est pas parti, il est pas starté. Hey, moi aussi, j'ai assez hâte, mais Marc-Claude, moi, j'ai hâte d'aller faire mettre du cutex à mes amis. Oh, je l'ai acheté beaucoup trop.
Aucune idée. Arriver tard de travailler. Mais non, mais essaie de deviner, là, Brigitte. On vient de commencer. D'habitude, dans le début des lives, qu'est-ce que je fais? Puis devine ce qui s'est passé avec toi. Hein? Devine. Fais du vélo depuis le début où? Oh my God, Lise, t'es une machine de vélo? Hey, 1050 km. Oh. Moi, hier, c'est-tu hier, Fred, qu'on est allé marcher? Ah, hier, j'étais allée marcher 45 minutes. Ouais, tirage. Et qu'est-ce qui est arrivé, tu penses, Brigitte Fournier, au tirage? J'ai ramassé 120$. En fait, j'ai ramassé 114$, mais j'ai décidé de faire tirer 120$ parce que j'étais mêlée. Puis j'ai fait deux tirages de 60$. Devine qu'est-ce qui est arrivé avec toi, Brigitte Fournier. Devine. Je suis sûre que les filles, ils veulent toutes te le dire, mais non, faut que tu devines. Si tu devines pas, ben... Hein? Yes! Mais devine ce qui est arrivé, là. Pour vrai, là, tu n'en croiras pas tes yeux. Tes oreilles. T'as gagné. Mais devine qu'est-ce que t'as gagné. Je laisse durer le suspense. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de stencil. T'as gagné quoi, tu penses? Y a-t-il quelqu'un qui est allé me stouler en Messenger? J'espère que non. Allez, qu'est-ce que t'as gagné? Pas vite, Brigitte. Finalement, vu qu'elle est pas vite, on y fait pas gagner. Ah non! On veut te le dire là, on est trop énervé pour toi. J'ai dit que j'avais fait tirer 2,60$. Devine! Devine comment est-ce que t'as gagné, maudite chanceuse. Un chat! Je sais pas si elle en voudrait un chat. J'avoue que j'ai montré Topaz au début, ça porte à confusion. Mais non, je ne fais pas tirer Topaz. Ben non, sais-tu quoi, Brigitte? T'as pas gagné 60, mais t'as gagné deux fois 60. Ma maudite chanceuse. Ben oui, toi! Ben oui! 120$, mademoiselle! Dans ma boutique à magasiner. Il y en a qui sont chanceuses! Il y en a qui sont chanceuses! Qu'est-ce que ton jump encore? Je sais pas. Salut Sonia! Hey, by the way, là, je vais me mettre des beaux cutex pour vous. Beaucoup trop de massages aujourd'hui. Ouais, va falloir que tu ailles me voir puis que tu te choisisses des trucs pour 120$ puis tu as déjà des trucs en attente. Je pense qu'ils sont même déjà payés. Fait qu'imagine. Imagine, toi, chose, 120$ à magasiner. C'est le temps, ma maudite chanceuse. Puis, c'est ça. Ah, oh, c'est ça. Bon, fait que là, j'ai mis ça de... J'ai l'impression d'être beaucoup trop énervée. Ça fait trop longtemps. C'est assez, le feuillage, je pense. Ouais, c'est assez le stencil. Je vais peut-être rajouter de quoi tantôt, mais je suis pas sûre. Oui, c'est Noël avant le temps. Ouais, puis Nicole te dirait, tu peux venir me voir, mais je reste à l'autre bout du monde en tabarouette. Ah, c'est ça, rester en campagne puis aimer les animaux. Non, en fait, ma maison pourrait être à Québec, ça serait moins pire, mais bon. C'est cela. Dans mes trucs, dans mes fleurs, je pourrais ajouter des affaires. Je vous ai dit que j'avais eu des nouvelles fleurs. Tchou! Fait que là, est-ce que j'ai des fleurs d'automne? Je ne sais pas. Je me suis commandé plein de petites pagosses.
Ça, ça peut faire. Hein, ça, c'est des belles couleurs d'automne. Ça, ça fait automne. Je sais. Hein, Brigitte, tu peux bien monter à Sainte-Brigitte si tu veux. Ça, ça fait moins automne. Ça, ça fait beaucoup trop Noël pour moi. Ouais, ça. Hein, mes chats, là, ils ont comme tout déballé ça. C'est pour ça que je suis allée m'acheter des bacs parce que ils m'avaient fait la guerre là-dedans. Dans mes fleurs. Mais pour vrai, ça va me faire plaisir, Brigitte. Au pire, on peut se rencontrer à Québec, tu magasines, on se parle, puis on se rejoint, là. Tu sais, je comprends que je reste à l'autre bout du monde. Ça, ça fait automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-là fait automne. Là-dedans, il y en a-tu? J'essaie de voir dans mes nouvelles fleurs. J'aime ça utiliser des nouveautés. Ça fait ça. Celle-là. Hey, ça fait pas du bruit, toi, Charles? Ça m'étonne que les chats soient pas venus jouer là-dedans. Hey! Ça, mon chat, je pense qu'il est encore en train de manger du gâteau de fête. Ça, tu manges, Fred? Hein? T'es encore en train de manger ton gâteau de fête? Sérieux? Sa mère, mais gâteau. Sa mère, il est allé chercher sur le fly, là, à sa mère, un gâteau aux fruits. Puis monsieur a décidé qu'il mangeait quasiment la moitié du gâteau. Il s'est dit, c'est ma fête, let's go. By the way, j'ai beaucoup trop de chipboard, vous allez me le dire, mais. J'aime ça d'en mettre, moi, dans mes créations. Fait que non, j'achète pas le magasin. Mais j'aime ça. Oh my god, que c'est beau. Mais pas dans cette création-là. Déjà que j'aimais beaucoup trop d'automne là-dedans. J'aime ça vous montrer qu'est-ce qui se fait chez Fabrica pour que vous puissiez le voir. Parce que le site, il y a tellement d'affaires que je trouve que pour vous, c'est moins évident de fouiner. Bon. C'est ça. Fait que là, tantôt, je vous ai dit ce que j'avais mangé. En tout cas, c'est pas de la bavette. Bon. Avec mes niaiseries, là, hein, ça avance pas vite, mon affaire, mais on m'a dit que le monde avait tout leur temps. J'ai le goût d'utiliser ça. Peut-être pas, on dirait un bâton, mais j'arrête tout, tout, tout. Peut-être pas au complet. Peut-être ça un peu. Vous allez voir comment... Oups! J'ai accroché la caméra, accroché mon front. Déjà que j'ai beaucoup de boutons, c'est pas le temps de m'accrocher ça en plus. Tiens, voilà. Ça, ça fait Noël, là. Je vais me sortir quelques fleurs. En fait, quelques. Juste une, c'est assez gros, ça. Salut, Mélanie! Ça, c'est bon, chili peinane. En fait, j'ai recommencé à faire super gros attention à mon alimentation. Fait que j'ai triché à soi, mais mon chum, il m'a dit que pour sa fête, j'avais le droit de tricher, mais je me sens quasiment mal d'avoir mangé. Dans le fond, j'ai pris un wrap au poulet. Avec du riz. J'ai pas tant triché, puis de la salade de choux. Hey, tu t'en es pas joué? T'en es un peu?
On dirait, là, la texture, c'est comme du foméran, mais c'est pas ça. À suivre. Bon, avec tout ça, à date, j'ai mis du stencil. Mon chipboard n'est pas très épais. C'est pour ça que je m'en coupe une partie. Est-ce que mon fer... Oh, oui, il marche. Je l'aime, la colle Fabrica Décoru, mais en live, je l'aime moins parce que c'est trop long. Vous commencez à me connaître, hein? La petite Cindy, c'est pas la plus patiente sur Terre. Ouais, je pense que ça va être là. Bon, ben, à part Lise, vous me dites pas ce que vous avez mangé. Ils sont tellement beaux de l'autre bord, je sais pas encore de quel côté. Je demande pas à Julie. Julie va me dire de ce bord-là. Merci Lise de ta participation. Oh, tu vois, ils ont mis. On dirait que le chipboard est plus mince que d'habitude. Ah, club sandwich, c'est bon. C'est bon, ça ressemble à ce que j'ai mangé, ça. Un wrap au poulet. Un whip. J'aime ça de ce bord-là, on dirait. Le reste, je vais les garder. Courge spaghetti, ça, c'est bon. Semant au curry. Ah, fèves vertes. Marc-Claude, peux-tu en avoir des côtes levées? J'ai goûté. Des crêpes, ça, c'est bon. Du pulled pork avec des pains hamburger avec trois différentes salades. Amélie. Bon, merci. J'ai même plus faim, puis vous me donnez faim. Fait que c'est-tu pas génial? Ça a été long. Courge à spaghetti, ça, j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'en mangerai vraiment souvent. Salut, Louise! Ouais. Celui-là, je vais le laisser de côté. Sérieux, je vous le dis, les filles, les paysages d'automne, c'est pas ma tasse d'été, clairement. Clairement pas, mais bon. Je vais avec la famille. J'y vais avec la famille. Pensez-vous que je vais passer mon examen demain? J'espère. J'espère que ça va bien aller. D'habitude, ça va bien, mais... Quand c'est un nouveau cours, je suis un petit peu plus stressée. Mon chum, il rush avec les chiens derrière. Les entendez-vous? Bon. Si vous les entendez pas, vous êtes sourds. Si vous entendez pas les chiens, vous entendez peut-être mon chum marcher avec ses souliers. Un examen de massage et drainage lymphatique. C'est parce que dans mes temps libres, je suis masseuse. J'ai pas mes ciseaux timose. Je les ai laissés au mon bureau. Ça
Fait que je suis en train de péter mes os. Ouais, c'est un massage que j'ai décidé d'apprendre. Je voulais apprendre d'autres choses, mais je sais que pour certains, ça leur fait vraiment du bien. Mais je pense que c'est pas pour moi, ce type de massage-là, parce que c'est très, très doux. Je suis très musculaire. Les feuillages, c'est tout Fabrica Décoru à date que j'ai pris. Je vais sûrement m'en prendre un petit Lemstrand. Je pourrais prendre ça, ça filtrait. Mais non. Mais non! Peut-être c'est là. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, drainage lymphatique, ce que je disais, c'est très doux. Ça fait du bien à la lymphe dans le corps. Mais moi, je suis une personne très tactile, très musculaire à ma source. Donc, j'ai l'impression d'être trop douce quand je fais un drainage. Je sais que ça fait du bien, puis tu sais, je vais l'offrir, là, mais c'est moins comme moi. Dans le sens que Miss Hyperactive, elle cherche quoi faire. Sérieux, je suis vraiment désolée pour mon chien qui arrête pas de japper. Elle a passé quand même beaucoup de temps en cage aujourd'hui. Parce que le temps que mon chum aille chercher la bouffe, moi que je masse, ben c'est ça. Elle était plus cachée. À date, ça va pas pire, hein? On se débrouille dans le paysage brun d'automne. Ah! Tu sais, genre que je me suis brûlée. Bon. Ouais, fait que là, aujourd'hui, je voulais me faire... Voyons, c'est ce matin que j'ai de la misère. Je voulais me faire des beaux ongles pour vous. Pas le temps. Pas eu le temps, pas eu le temps, pas eu le temps. Je fais-tu des moutons de colle, à votre avis? Cassiopée, elle entend sonne miauler. Salut, Karine! Ça commence à ressembler à l'automne, hein, trouvez-vous? C'est ça le but, mais bon. Je me suis vraiment pitché de la colle partout. Hey, merci, Marc-Claude. Un jour, ça va peut-être être beau. Salut, Lynn. Lynn, défi de la soirée. Une page d'automne avec des papiers pas très beaux. Qui semble beau, mais qui semble difficile à... Difficile à bricoler. C'est Julie, hein? Julie a dû s'en aller pour être sûre de ne pas se faire garrocher des tomates. C'est
C'est Julie qui voulait qu'on prenne ça. Mais il y en a d'autres aussi qui ont voté ça, là. Pas juste Julie. Fait qu'on peut garocher des tomates à Julie, mais pas juste à elle. Sérieux, nos chiens nous énervent tellement aujourd'hui, mon chum, il est là. L'entendez-vous? Moi, la folle, je m'en ai acheté un autre. Moi, quelle couleur que je mets ça? Je vais le mettre blanc, je pense. J'ai des fils. Ouais. Ah! T'es encore là? Je pensais que tu défilais. C'est pas si pire quand on met du brun, hein? T'es bonne, par exemple, de rester réveillée? T'as-tu dormi dans l'après-midi? Je t'ai pas trop knockoutée. Moi, je vais me faire masser Rudy. J'ai hâte. Parce que vous savez que quand on est masseau, là, à force de masser le monde, on a l'impression qu'on voudrait des massages à tous les jours. Fait que là, ma masseau est tannée que je réserve. Bon. Hein? Fait que, savez-vous c'est quoi mon truc? Allez voir plein de masseaux. Je crois qu'un chien est malade en arrière. Oups! Oui, un coqueur. Fred? Oui? Qui va être malade? Les jouets du direct? Bon. Je sais pas, des chiens autour de mon mari. Mais il y en a une qui vient d'être malade. Parce que j'entends. Avez-vous entendu? Salut, Lynn! Ben non, elle vient de vomir, là. Je sais, mais... Seigneur, elle a fait ça vite, là. Bon, ça a l'air qu'elle s'est ramassée. Hey, parlez-moi de ça, un chien propre de même. Ouais. Il en rajoute en arrière. Oh, je te dis, cet enfant. À 40 ans, mon chum. Il est vieux en crif, hein? 40 ans. Bon, il me reste ça à ajouter. Fait que là, comme je disais tantôt, celle qui veut commander Fabrica, c'est le moment. Parce que là, j'en ai une qui attend impatiemment que sa commande parte. Fait que... Seigneur Dieu. Fait que c'est le moment de me passer vos commandes. Merci, Sonny. Ouais, j'avoue, 47, c'est vraiment vieux. Non, je fais des blagues, Marc-là. Moi, j'ai 37, fait que ton chum a 10 ans de plus que moi. Mais bon, 40 ans, ça commence à faire vieux, là, pour essayer de faire un enfant. J'arrête pas de le niaiser. Hein? C'est peut-être de sa faute. Pourquoi ça marche pas? Salut, Marie-Hélène. Ben, non. Hey, bon. À part me péter les ongles à faire ça, là. Je fais pas grand chose en ce moment. Bon. Voilà, voilà, voilà. Fait que ça, je vais en mettre juste un. Ou peut-être deux. J'ai trouvé que ça aurait fait beau.
J'aurais pu, tu sais, il y a un trou là dans la fleur, là. J'aurais. Oh, je sais pas si ça va rentrer ou j'ai trop mis de colle. Ah, oh, ça rentre. Voilà. Même pas besoin. Ouais, je vais en mettre ailleurs. C'est beau, hein? C'est le fun, c'est rigide, ça. Fait que. Ça aussi, c'est Fabrica. Il y a juste le titre, les citrons, là. Tout le reste, là, c'est Fabrica. On dirait que j'ai été commandité, mais non. J'ai décidé de jouer dans mes nouveautés que j'avais reçues la semaine passée. Ouais, celle-là, je vais être obligée de la coller. Je vais y aller comme cela. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a qui font des fleurs, mais moi, j'aime vraiment ça, m'amuser avec ça. Puis me faire des petits mix que j'ajoute un peu partout. J'ai pas inventé la roue. J'ai déjà vu des filles faire ça aussi. Je suis vraiment désolée pour le chien. Les chiens. Je sais pas pourquoi qu'elle jappe. Elle s'est ennuyée de vous, je pense. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ça. Fait que là, celle-là, je l'ai pas pris. Salut Caroline! Je te dis, c'est bien plus cute quand on entend te passer dans les mains que mes chiens gossés après je sais pas quoi. L'automne, ça me réussit. Trouvez mon petit papierette. En fait, ils sont pas lettres. C'est juste qu'ils s'agencent pas super bien. Bon, ça y est. Mes doigts non plus, ça s'agence pas bien. Avec la colle. Ouais, en fait, ben, vous pouvez faire des fleurs avec, mais tu sais, des fois, on n'en fait pas de fleurs. Fait que ça. Tu sais, au lieu de mettre des dots, là, ça se fait super bien, super facilement. Je vais y rajouter du petit orange. Tu sais, si vous achetez des trucs de même, là. Savez-vous le truc pour les rentrer dans les fleurs? C'est ça. Tu rentres en... Je peux prendre une bob épine aussi, non, mais. Entendez-vous la puce qui fait. Elle est vraiment colleuse, elle voudrait tout le temps se faire coller. Qu'elle fait ça. Elle est à côté de sa mère, mais là. Elle est vraiment cute. Bon. OK, c'est assez. Arrête d'imiter le chat. Du beau plaisir à tout changer ça tantôt. C'est sûr qu'on va mettre de la couleur. C'est une photo que j'avais déjà prise, que j'avais déjà beurrée.
Fait qu'on va, on va l'arborer un peu. J'aime bien ça, mettre du crayonnage. Surtout dans ces tons de magnifique brun. Hein, Julie? L'entendez-vous? Vous entendez juste moi qui fait qui limite. Cherche qu'est-ce que je pourrais rajouter. Ok, excusez. J'ai mis vraiment mon chat. Un petit peu de or, ça serait beau. Ça s'appelle Bayou Boogie Gold. C'est rare que je spray. Je suis sur le bord de prendre mon pinceau. Hein, tant qu'à faire, on va t'y mettre un petit peu d'automne. Je vais risquer, là. Je vais y mettre un petit peu de vert. Non. Ah ben oui, Lucky Shamrock Green. Ça fait bon. OK, vous l'entendez? Ou c'est moi que vous entendez? Non. Salut Brigitte. J'ai tellement massé aujourd'hui que je fais juste ça, j'ai mal au bras. Ça va pas bien? Faut que je me jase. Calmez-vous, madame. Hey, c'est vert longtemps. Mais c'est pour aller avec automne. L'automne, puis oui. Je vais prendre un petit blanc. Allez, pupu, tu t'es surveillé, hein? Hein? C'est un crayon marqueur craie, j'en ai à vendre. Si jamais, le Nathalie, je pense qu'il m'en reste une coupe à vendre. J'en ai un paquet de 2 ou un paquet de 1. Voilà! Pire. Le papier, mais ça, c'est sûr qu'il est plein d'eau, là. Tapez, je vais te montrer. Nathalie, je me rappelle plus que tu prises par cœur, par contre. Oups. Fait le fun que je sorte le blanc en premier. Ouais, soit un paquet de 2 ou un paquet de 1. Voilà. Il m'en reste quelques-uns à vendre sur ma boutique. Allez-y avec Brigitte Magazine. Non, Brigitte, elle a déjà en commande payée. Fait que c'est ça. Fait que voici mon défi automnal. Moi, je vais souvent à Québec. Je vais... C'est une blague. Je pense que le message s'adressait à Lise. ouais.
ça me fait rire. Mais sinon, c'est ça. Je vais sûrement faire des kits. Laissez-moi la semaine prochaine là pour gérer ça un petit peu. Mon retour au travail et tout ça. Puis être regardez, au moins je suis de plus en plus positive. Hey, mais oui, hein, gars, un fond de bois avec couleur automnale. Merci, Julie, avec ton brun. On est capable de faire des belles pages, hein, finalement. Tout ça. Avec les nouveautés de Fabrica, puis il est vraiment écœurant chez Bord d'automne. Je vais être obligée de m'en commander un autre. Ouais, j'avoue, à cause de la COVID. Moi, j'arrive de Toronto, sinon je serais allée vous voir. Mais vous autres, vous restez où, donc? Parce que je monte à Gatineau, mais le 14 novembre. Sam, vous restez... Vous allez pas à Gatineau, vous autres? C'est plus. Ça vous tente-tu d'aller voir les nouveaux chats? Voulez-vous qu'on finisse le live en vous présentant les nouveaux chats? Je vois des petits cœurs. Maintenant, là, les trucs, on dirait que c'est vraiment bizarre. On voit le live en différé à côté, puis... Tu sais, je vois le délai que vous l'avez, puis... Après ça, je vois... C'est ça. Fait que oui, je vois vos réponses. Hey, bonne soirée, Julie! Fait que je vais... Je vais vous montrer. Regardez, je vais... C'est ça que c'est le bordel ici, OK? Aucun jugement. Ah, ouais! Ah! Ben, si c'est pas loin, je monte à Gatineau, mais le 14 novembre. Fait que... C'est comme là. Regardez Cassiopée. Mademoiselle était tranquille dans ma boîte abricot. Après ça, ben, vous avez Chitali, la maman. Et Mademoiselle Topaz, qui faisait des miaou, miaou. Fait que voici, c'est la seule qui me reste. Puis là, ben là-dedans, on a Sun qui est enfermé parce que c'est ça. Puis ici, ben je sais pas s'ils vont sortir, c'est un petit peu plus sombre. Oh boy, ça sent le chat ici. Alors ici, vous avez... Bon, ils sont quand même collés. Je vais m'asseoir à terre, puis ils vont venir me voir. Ici, c'est Vesna. Oui, on se reparle. Vesna, qui était là. Il y a Vesta. Viens-t'en, ma petite russette. Vesta, la petite foncée. Vesna, la petite rouquine. Mais là, c'est ça qui vient vers moi. On a... Là, c'est ça. Vous avez une primeur, là. Celle à droite, c'est Monica. Si Vesna peut se tasser. Pou, pou. Monica, elle a peur, fait qu'elle est toujours cachée. On a changé les meubles de place pour essayer qu'elle sorte. Parce que depuis le début, elle n'est pas venue nous coller. Puis ici, on a Vénéra. Vénéra, c'est l'autre petite rousse qui vient nous coller, mais qui est plus... c'est la plus timide, là. Fait que ça, c'est mes... Ça fait même pas une semaine qu'ils sont arrivés. Vesta, c'est la plus peste. OK, tu vois, Vénéra, ça vient. Fait que, tu sais, elle vient de plus en plus, mais Monica vient pas. Fait que les trois, c'est des machines à ronronnement. Puis là, c'est ça. Là, inquiétez-vous pas, c'est des Maine Coon, Lise. Ils resteront pas dans cette pièce-là. C'est que vu qu'ils arrivent de Russie, ben, j'étais obligée de faire la quarantaine. Le temps de voir, tu sais, comme elle a la chum un peu. Fait que le temps de voir pour pas qu'ils donnent des bibites à mes chats pis tout ça. Puis après ça, ben ils vont venir dans la maison là. C'est juste de toute manière, ils étaient les quatre ensemble en Russie, fait que c'est pour ça. Écoute, vous êtes choyés, là. C'est sûr que ça vous donne peut-être mal au cœur, mais c'est ça vient d'être chemin. Vesna, c'est une petite peste, mais ils sont vraiment colleuses, là. Ils sont toujours après nous. Quand on arrive, on s'assoit par terre. Fait qu'effectivement, c'est le pays des chats et des chiens ici. Fait que c'est pour ça que vous entendez ça durant les lives. J'ai peut-être deux Maine Coon. Et là, les trois ici, là, c'est trois sœurs. Vesna, Vénéra, Vesta, c'est trois sœurs. Puis Monica est un petit peu plus vieille. Je pense qu'elle a un an et quelques. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus sauvage. Mais tu sais, elle est pas pire. De plus en plus, elle approche. Fait que tu sais, ça va être bien correct. Mais j'y ferai pas voir les animaux de la maison tout de suite. On va voir rendu là. T'es chum, toi, pitchounette? Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que
C'est un long voyage en Russie. Ils font une escale. Oui, c'est 4 filles. En fait, j'ai 7 filles Maine Coon, puis un mâle Maine Coon. Puis j'ai 3 filles bengales et un mâle bengale, mais j'en ai une opérée, fait que je vais bientôt en avoir un autre. J'attends, je suis sur une liste d'attente pour avoir une autre couleur de bengale. Fait que je vais voir si mon mâle, ça finit pas par marcher. Parce que mademoiselle, c'est ça, il y a 7 filles qui attendent après lui, mais il va falloir que je rachète un autre mâle. Mais c'est ça. Mes mâles, présentement, ils sont en accouplement, mais sinon, mes mâles sont dans mon garage. Mon garage est tout aménagé pour eux, pour qu'ils soient bien, les deux cocos. Fait que ils viennent des fois dans la maison faire des tours quand ils sont pas en accouplement et tout ça. Salut Patrice, salut Sylvie. Fait que là, pour vous, hein, ça fait tout qu'un live de chat. Les avez-vous vus assez? Je pense que oui. C'est le bordel, hein, ici. Mais bon. Fait que Monica, un jour, elle va venir se coller à nous. Pensez-vous? Si vous avez d'autres questions, mais venez en privé, parce que là, je veux pas non plus tanner le monde. Avoir un chat qui mange, puis des chats qui viennent se coller. Mais regardez comment elle est colleuse. Une grosse guidoune. Oui, le mâle va être heureux si ça peut finir par fonctionner. Pas vrai, là, si vous hésitez à vous acheter un Maine Coon dans une vie, là, c'est jamais une hésitation. C'est tellement des patates colleuses, adorables, douces. Ah oui, écoute, ils sont juste magnifiques. Mais pour vrai, là, l'éleveur en Russie est vraiment sweet, est vraiment fine. Tu sais, je suis vraiment bien tombée, c'est pas une arnaque, c'est vraiment des beaux chats, écoute, c'est une belle surprise, puis je sais que Monica, dans une semaine ou deux, elle va être correcte, là. Tu sais, c'est des guidounes. Fait qu'en tout cas, au moins, très heureuse d'avoir toutes ces colleux-là, hein? Je peux pas m'en aller? Qu'est-ce que ça? Comment elle est belle? Elle ressemble à Laura, celle qui connaissent ma Laura, là. Mais étant plus foncé. Oui. Bon, c'est assez, hein? On a-tu assez jasé à soir? Trouvez-vous? Voulez-vous me voir la face? Vous me voyez jamais? On a-tu assez jasé? Je pense que oui. Chaque émotion, les cheveux tout dépeignés. Écoute, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vous voyez l'envers du décor de la fille qui a un masque, qui a plein de boutons, qui travaille. Mais bon, qui travaille, qui fait de la masseau, puis qui a chaud de la face quand elle passe. Fait que ça m'a fait plaisir de faire un live. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Je sais que je suis plate puis que je vous dis ça puis des fois ça arrive pas. Mais si je suis capable, je vais en faire plus souvent. Fait que je vous aime fort. Merci d'avoir été là. Ça me fait toujours du bien. Bye bye!